Sénat, mise en place du bureau permanent. Le bureau permanent du Sénat est constitué. Les 18 sénateurs ont élu les deux vice-présidents, le rapporteur général et le questeur qui composent le bureau permanent de la Chambre haute ce matin lors de séances plénières tenues au palais d'Anouské. À l'issue des votes, Nicolas Rabimalanzar est élu vice-président chargé des provinces du Sud, Antananarivo, Chenarantsou et Toliage. Imbi Kerlaz assurera la vice-présidence pour les provinces du Nord, Tomas, Namadzang et Antsiranana. Eddy Fernand, économiste et non moins ancien maire d'Antala, occupe le poste de questeur et Raymond Rasoul Ndjatsimb est le rapporteur général. L'opposition a droit à un poste de vice-président, mais celui-ci reste encore vacant. La cérémonie de passation de service entre l'ancien bureau permanent présidé par Ivra Koudvaou et le nouveau bureau permanent présidé par Herman Razafmaïev aura lieu ce lundi 25 janvier 2021.